Salut! Coucou! Là, on est en train de jouer à Pokémon. Hein? Bah, je pense que... Chose de même, là. Quelle malchance, je suis perdu! Pourquoi ici? Pourquoi moi? Pourquoi? Pourquoi? Pour que Bernard te fout une taloche sur ton... Léger! Oh! Ça, c'est drôle parce qu'on en connaît beaucoup des légers par ici. Oui, c'est un nom de famille, par exemple. Ça. Ouais. Première fois que je vois ça comme prénom. Là. Ouais. Toutoun go! Ça, c'est comme le plus grand duel de l'histoire. Oui! Ben, to be fair, si j'aurais at least un attaque water, comme je pourrais le tuer, là. Tu penses, là? Oui. J'y rentrais direct dans le sphincter, puis je sortirais par l'autre bout. Shit. Oh, bind! Ah, bind non. Me, my love! Et ça, c'était... Ça, dans Red pis Blue, là, c'était l'attaque la plus chiante ever. Parce que ça t'empêchait de jouer. Master, c'est juste une attaque. C'est une attaque qui fait du dommage constant, mais tu peux quand même. Ouais, ben... Ces attaques-là t'empêchent plus de jouer, mais ça t'empêche d'enjoyer la game parce que... Chaque fois, c'est... Ça attaque trop longtemps, tout le temps, que t'es comme... Mais dans notre temps, là... Ouais. C'était basically, fallait que t'espères qu'il se tanne de faire ça ou bien qu'il manque sa shot. Parce que ça te faisait passer ton tour. Que l'électricité manque puis que tu vas faire des mots croisés avec ta grand-mère en haut. L'électricité, c'était sur le Game Boy. Chut! T'étais peut-être en train de jouer au Super Game Boy. Hein? Parce que t'avais plus de batteries. Ta mère voulait plus t'en acheter des batteries parce que c'était cher, hein? Puis tu gaspillais beaucoup de batteries parce que tu jouais tout ton Game Boy. Fait qu'elle t'achetait un Super Game Boy. Puis là, il manque d'électricité. Puis là, ben, à cause qu'il n'y a plus d'électricité, tu peux plus jouer à Pokémon. Hein, Jean? Hein? Mange-moi le batterie. Parfait. Hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Merveilleux. J'ai vérifié puis j'ai trouvé qu'est-ce que c'était la game que je disais qui a révolutionné les contrôles de first person shooter. Puis je suis en train de faire des signes de bras puis. Mais on dirait qu'il fait comme des weaving de comme avatar là, il essaie de comme faire comme de l'eau quelque chose. Ouais. Non, c'est que tu sais avant de se servir du right stick pour contrôler la caméra pis ça, c'était avec L2, R2, pareil comme dans Spyro pis ça. Là. Ben, ça faisait comme, tu sais, tu pouvais strafer. Pis. Anyway, les contrôles étaient weird. Puis sur la PS1, il y a eu un jeu qui s'appelait Alien Resurrection. Mmh. C'est ça qui était le premier jeu de console à avoir les contrôles qu'on utilise aujourd'hui pour les first-person shooters. Puis il y avait un reviewer... Je pense que c'était IGN. Il avait complètement descendu la game. Comme il avait donné 4.7 sur 10 à la game. Puis tout le long de son review, là, c'était les contrôles sont weird, puis sont laids. Puis si tu veux jouer avec des vrais contrôles, joue à Medal of Honor. Blablabla. Puis Medal of Honor, bien sûr, la game qui a sorti après Alien Resurrection a utilisé les nouveaux contrôles aussi. Fait, comme, hindsight 2020. C'est ça que c'est là, comme tu lis son review là, puis il y a de l'air fou là comme. Il savait pas là, que ces contrôles là allaient être révolutionnaires. Là, c'était pretty. C'est excellent. Ouais, c'était pas mal drôle. Je me demande s'il travaille encore pour eux autres. Hey boy. Ça fait quand même un bout de ça. Ouais. Une vingtaine d'années. Ça se peut, peut-être. Et voilà, mesdames et messieurs, pourquoi il ne faut jamais écouter un review à la lettre. Ouais, moi les reviews là, comme il y a comme un site que j'utilise comme source de review, puis c'est juste comme pour les RPG, comme les autres, je sais pas, tu sais. Ouais, ben même à ça, comme moi, utiliser juste une source, j'ai de la misère avec ça. Je vais souvent essayer de voir un good review, un bad review, puis peut-être comme plusieurs places-ish, ou je sais pas. Ouais, ben, c'est que moi j'utilise cette source là, RPG Fan plug. Parce que, on dirait comme tous les jeux que j'ai joués, puis qu'après ça que j'ai lu les reviews, j'étais tout le temps comme d'accord avec. T'sais, on dirait que c'était ça que je me rapprochais plus. Fair enough. But, mais ouais, comme pour la plupart des cas, par exemple, c'est. Tu sais, des fois, tu vas aimer un jeu qui est 6 sur 10, puis tu vas en détester un qui est 10 sur 10. Yeah. Tu sais jamais. Exactement.
Surtout pas tout le monde a les mêmes goûts. Comme quand on parle tout le temps d'être des vieux Chris, comme plus on dirait moi personnellement, parce que je connais beaucoup de gens de mon âge et plus vieux que qu'ont pas ce struggle là, mais plus que je vieillis, plus que j'ai de la misère à trouver des games à jouer. Ouais. Parce que je suis devenu picky. Ouais, on a plus que j'étais pas avant. Ouais, c'est ça que c'est. On a plus. Comme oui, on a joué beaucoup de RPG, mais c'est que de nos jours, les RPG, c'est un gros investissement de temps à cette heure. Ça. Oui, puis. Quand est-ce que tu n'as joué une shit tonne, tu commences à trouver comme du pareil au même dans beaucoup de situations, puis ça devient comme. Ah, ok, ouais, j'ai déjà vu cette histoire-là mille fois, ou ah, oh, ouais, j'ai déjà vu ce leveling system-là mille fois, ou ah, oh, ouais, comme. Il y a tellement de choses qui reviennent que t'es comme. Je veux juste être surpris, s'il vous plaît, tu sais, là. Ouais. Puis, ouais, non, qu'est-ce que ça veut dire? Non, vas-y, finis ton. Puis, ouais, puis l'histoire de chercher, que ce que tu disais, là, les reviews, puis ça. Juste récemment, j'ai décidé sur un coup de tête que je voulais jouer un. Je voulais jouer un RPG, mais je voulais jouer de quoi de très comme. Je filais comme JRPG, Japanese RPG, comme anime-ish. J'étais comme, ah, qu'est-ce que j'ai pas joué qui pourrait être intéressant hein, dans ce type-là? Il y a beaucoup de hit or miss. Puis, j'ai. Quoi? Non, pas voulu! Hein, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va devenir. Non! Hein? Yes! Quoi? On va-tu littéralement faire ce joke-là à chaque fois jusqu'à temps qu'on pogne la Everstone? Oui. Parfait. Donc, je disais... j'ai tombé... Parce que là, j'ai basically... La seule current console qui me reste, à part mon ordi, c'est une Switch. Je suis comme, bon, qu'est-ce que c'est la Switch? Puis là, je m'aperçois qu'il y a la série Atelier. Sur la Switch, il y a beaucoup de ports. De cette série-là. J'étais comme, oh, alright. Sauf que j'ai jamais joué techniquement aux Modern Atelier Games. To be fair, j'ai joué Atelier Iris 1, 2, 3. Je les ai faites au complet. Ça, c'était dans l'ère du PS2. Mais à partir du PS3, toute cette série de games-là a comme changé comme bout pour bout d'une certaine manière. Puis ça a été beaucoup... Comme dans le temps, comme il y avait beaucoup de crafting, parce que c'est des alchimistes. Des alchimistes? Alchimistes. Mais sur PS2, ça filait beaucoup plus comme un RPG traditionnel avec un side de crafting items. Mm-hmm. Tandis que là, à cette heure, c'est beaucoup plus... Oh my God! C'est beaucoup plus du crafting avec un side de RPG. On dirait c'est le même, ça file. Fait que j'étais comme pas trop sûr où me lancer. Puis c'est ça, man, j'ai passé une soirée à me gratter la tête puis être comme... Watcher plein de reviews, puis être comme, avec quoi est-ce que je start? Il y a comme 12 fucking games à starter avec. Je suis comme, puis of course, tout le monde n'est pas d'accord. Ouais. Fait que ça, c'est une belle exemple de comme, tu peux pas te fier à une review parce que tout le monde review, puis c'est comme, ah, tout le monde a une préférée, tout le monde chie sur telle série, tout le monde idolise. C'est comme, man, comment est-ce que tu wander à travers de ça? C'est ridicule. Pistolet à haut. T'as-tu vu? Oui, c'était juste un haut. Yeah! Qu'est-ce qu'il dit que c'était pas pistolet à zéro? Oh! Oh! Matrix and shit! Il te lance des zéros pis des uns. Mais t'allais dire, avant le pistolet? Le pistolet, pis. Ouais, c'est comme dans des grosses séries de même. D'habitude, tu vas en avoir comme 2-3 qui vont ressortir, qui sont comme meilleurs que les autres, pis 2-3 qui sont moins bons que les autres. Ouais, d'habitude, là. Mais ça, j'ai trouvé que c'était crissement vague. Ouais. C'était pas clair. Il y avait pas comme un Final Fantasy 7 dans la bunch là. Ouais. C'était ambigu là. Puis ça donne bien que tu parles de Final Fantasy 7 parce que moi c'était ça que je voulais dire tout à l'heure. Tu sais quand tu dis que les games sont rendus pareils au même, comme j'ai commencé le FF7. Quelle sorte de tune? Si. Ok, ouais, ça va être une fighter chick, ça. Cha-ching! Une fighter chick! Johanna! Combattante. On va avoir un match. Ah, ben oui, machin. Ben oui. Pète là-dessus le bras. Non, c'est que j'avais commencé FF7 Remake. Puis moi, FF7, ça a longtemps été mon préféré. Comme dans le temps que ça avait sorti, puis tout ça.
Puis comme... Ah, shit! Yes! Toutoun va mourir! Ah, gros dieu. Oh, il a eu pitié de moi. Ouais, en voulant dire comme, quoi, si tu fais là? Je vais finir par dire ça que j'ai à dire. La défense du toutoun. Le toutoun. Du toutoun. J'adore. Bah oui, c'est un mâle. Gohan. Gohan, c'est le fils. Ah! Il fait ça Goku. Goku, Kamehameha, pipiou, pipiou, pipiou. Final Fantasy VII. Oui, remake. Oui, le remake. J'ai commencé à jouer au remake, puis... Spoiler rien, là. Non. Tout ce que je veux dire, c'est que... C'est... En même temps, c'est pas assez, puis c'est trop. Pas nécessairement trop. Okay. C'est pas assez comme FF7, dans le sens de comme... Tout ça qui ont changé dans la game, c'était tout du stuff, j'avais pas besoin qu'il soit là. Yep, c'est du extra fluff inutile. Ouais. Yep. Des side quests, puis des extra characters, puis... Mm-hmm. Je suis comme... Eh. Puis l'action... Comme j'aime bien les fights, mais... C'est... Comme... Quand FF7 a... Tu sais, c'est pas fair de penser de même, mais comme quand FF7 a sorti, c'était révolutionnaire. Mm-hmm. Puis on dirait que... Là, le remake, c'est juste trop pareil comme d'autres. Tu sais, comme... Moi, sincèrement, le fighting... Regarde, ça a sorti sur le PS4. Mm-hmm. Moi, le fighting de ce game-là faisait filer comme si je jouais à un RPG de PS3. Ouais. Puis, to be fair... Regarde, ça fait penser comme tout... à Kingdom Hearts, puis ça, un petit peu, mais comme moins... Mmh. Moins flyé, là, disons. Ouais. Bref. Kingdom Hearts, c'était plus comme... voilà. J'ai sûrement un meilleur exemple que ça. Oui, mec. Oui. Parce que c'est pas vraiment à ça que je pensais, moi, ouais. Là, mais... Ben, ça fait penser mais à c'est, FF15. To be fair, comme c'est-tu pas comme. Ça a-tu pas été comme en side creation depuis le PS3? Le remake? Le remake? Ouais. Ouais, je pense que oui. Fait. Peut-être que c'est à cause de ça. Diplo! Oh! Mais moi, j'ai vraiment filé comme. Je jouais comme un last-gen console. Pas la. Ben, de. Pre-gen. Comme. Ouais. Pas trop comment le dire. Mais oui. Pis, ah, oh man, les textures des fois des places. Tu regardes, c'est comme beau, 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 ah, pixel! Pis t'es comme, qu'est-ce qui est arrivé là? Anyway. Okay, j'ai pas eu cette expérience-là nécessairement. Comme j'ai juste joué, j'ai joué une dizaine d'heures. Pis on dirait comme. Moi, t'oublies pas. Je vais sûrement le finir parce que. Moi, je l'ai fini. Ouais. Pour le bien ou le mal, je sais pas, là, mais. Non, c'est ça, je vais sûrement le finir juste à cause que l'histoire a changé. Parce que, tu sais, comme quand ils disent c'est un remake, c'est littéralement un remake. Ils ont changé l'histoire. C'est pas. Ça se passe pas. Ça se passe pas comme dans FF7. Il y a comme des petites similitudes ici et là, mais. Tu sais, là. C'est une différente histoire, mais c'est ça, on dirait. C'est comme si je voulais que ça soit comme FF7. Oh yeah, well, comme la plupart du monde, ouais, I guess. Je sais pas. Puis c'est ça. Je suis en train d'être vieux encore. Ben ouais, mais en même temps, d'une manière pratique, c'est qu'il faut que tu te demandes aussi pour qui ce game-là a été fait. C'est ça, moi je me demande. Parce que tu te dis, pour les superfans, you miss the mark parce que les superfans vont être comme, oh, je voulais que ça soit comme que c'était. Ouais. Puis pour les newcomers, y a-tu vraiment quelqu'un qui a jamais joué à Final 7 qui va s'assier puis qui va jouer ça pour être comme This is amazing? Comme je feel que non. Ouais, je sais pas, ça va pas faire le même effet. Tu sais, c'est pour ça que je serais curieux. Tu sais, là, je serais curieux si j'avais jamais joué la game, que j'en penserais, là, tu sais. Moi, je pense que je serais pas impressed parce que tu sors de comme, mettons, tu joues les gros AAA titles qui sortent, t'as comme, oh, je vais jouer à Witcher 3, puis je vais jouer comme au Dark Souls ou name it, comme, puis là t'as comme ce AAA quote unquote game là qui sort, puis maintenant t'as jamais joué à aucun Final Fantasy, tu vas être comme alright, tu joues puis t'es comme it's not on par, c'est ouais. Pas égal de qualité aux autres games là. Comme je trouve le combat de FF15 était plus intéressant. Oh yeah, définitivement. Tu sais là comme ouais, puis FF15 juste comme je pense qu'on va avoir une escort mission. Ah ouais? Sauf que luckily, probablement qu'elle peut pas se faire taper sa gueule par des Pokémon. Bon. But go on. Non, FF15, pareil, c'était comme un...
7.5 sur 10 pour moi. Moi, je l'ai quand même enjoyé, là. J'avais fait quasiment 100% de la game, là, mais... Moi, ça, j'ai trouvé dommage, par exemple. C'est comme, sans spoiler, comme la final part de la game. Comme, yeah. Ça aurait pu être développé plus. Comme... La whole game, la whole story a pu être développée plus. Comme, j'ai pas filé que je... On m'a pas fait carry de anything, puis comme, c'est comme... Bing, bang, boing, il se passe ça, t'es comme... Hein? Ben, c'est ça, comme, j'aurais trouvé ça intéressant que cette partie-là de la game... Comme, pas nécessairement comme allongé, mais je veux dire comme qu'on aurait passé plus de temps dans cette partie-là de la game. Pascual! Wow. Ouais, mais c'est ça, sans vouloir spoiler, c'est... Comme la fin filait rushée. Yeah, définitivement. J'aimerais tellement la réaction. Hey! Le Venard. Le Venard. Hein? Chansey. Chansey, je l'aime au bout. Mais ouais, le Venard. C'est weird. Ça me laisse un mauvais goût dans la bouche. Ok, ouais, à cause Chansey, Chance, comme un Venard, c'est quelqu'un qui est chanceux. Non, ouais. Non. C'est plus de Venard. Don't do that. Ouais, non, c'est weird. Don't do that. Surtout comme... que c'est bizarre de penser à Chansey comme étant un gars. Ouais, non. Je sais pas. Ouais, c'est weird. Oh boy. Comme, ils auraient sûrement pu garder comme Chansey. Et n'importe quoi, man. Sphincter, hey, ça aurait été mieux. Je trouve... je trouve qu'on est chialeux cet épisode-ci. Oui, hein? Toi, t'en aimes à rien. C'est ça que c'est, plus tu vieillis. Plus tu vieillis. Les là, taxes, hostie. Plus tu deviens. Changement d'huile, tabarnak. C'est dur la vie. On devient. Les assurances. Les assurances. S. Assurance. Mm. S. Mm. Oh. Vas-y. Boisson gazeuse. Ah, ok, je pensais que t'allais dire de quoi. Non. Ok. Non, bon bœuf. J'ai bon bœuf. Hey, c'était au souper, mam, ça c'était un bon bœuf. Oh, maudit, je t'aime. Sphincter est paralysé, il y a eu une fracture de la moelle épinière. Il y a sphincter irrité. Je vais pas pouvoir pas dire bon bœuf. J'sais. Un bon bœuf. Oh man. Moi là, des patates pilées, des calottes, un bon bœuf, man. Bon bœuf. Pis là, il t'arrive avec un œuf qui est une bombe, t'es comme, hein, qu'est-ce que c'est? Oh boy! Bah ouais, de la patate pilée sur le plafond, là. De la patate pilée pis de la cervelle, là. Oh, avec un grévé. Mmh. Hey, je trouve que sphincter. Ouais, il en arrache. Un petit peu, là. Il en arrache le sphincter. Le Venard, es-tu pas supposé te healer? I wish. Si, ouais, les Pachirizu, là, qu'est-ce qu'ils ont mangé au bout de jeûner, eux? Hein, ils sont weirdement bons. Je te dis, je pense que la game voulait qu'on en aille un. Ça, Chansey, c'était tout le temps comme un des Pokémon prestige qu'ils se mangent, comme. Vous voulez dire? C'est qu'il était comme. C'était tellement rare à pogner que quand t'en pognais un, c'était comme yeah! Ouais, ben. Si t'avais de la patience dans Blue après. A coq! Ah, c'était elle à heal. Parfait. Puis elle se heal elle-même, grosse la crise. Grosse bitch. Ouais, en dessous de. Le Water Badge, là. C'est quoi le nom de la town? En dessous de Water Badge. Fushia City? Non. 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 Fushia, c'est là où ce qui est Koga pis le Poison Shit. Ouais, ben, c'est-tu pas dans le Safari Zone, tu pognes dans Red and Blue? Non, ben, oui, mais il me semble que tu peux en pogner à très low percentage en dessous de là où ce qui est Misty. Ah. Oh. Ouais. Je ne savais pas. À moins que c'est juste dans Fire Red pis ça. Je sais pas. Mais. Saffron City? Non, Saffron, c'est là où ce qui est Psychic. Ouais, ben, c'est en. Non. Est-ce que tu as de la misère? Je... Check la map de Kanto, là, tabarnak!
Je suis sûr que j'ai raison. Non. Ah, Vermilion City. Non, Vermilion City, c'est là ce qu'est les Thunder Pokémon. Ah ouais, ben c'est avec tout en dessous. Avec le Surge. Oui, ma grosse fuck. Kanto Map. Ouais, mais je parle de carrément la area en dessous de l'eau, ce qui est Misty. Je parle pas de la town, là. T'as dit la town en dessous de Misty. Non. J'ai dit la area en dessous de Misty. Regarde, ouais. Post-production, là, y a, ça va être marqué qui se a raison, puis haha, loser, l'autre, là. Mais pour tout de suite, là, je Google. T'as parlé de town, parce que si tu parles de... J'ai dit la town, là, où ce qui est Misty, okay. Juste en dessous. OK, ben la town, où ce qui est Misty, c'est Celadon, c'est Cerulean. Bravo! Ah ouais, ben t'as dit la town en dessous. Non. Oui. Non, je refuse. Oh, chier. Ça prend ouais de quoi de tonnerre, tabarnak! Yeah! Ténèbres! Oh. Tu vas mordre le monde avec ton sphincter. Sphincter avec des dents. Beau gorgotant dans la face. Charmillion! Oh, il est-tu pas charmeur? Je pensais que ça allait être l'évolution à Charmander. Charmillion! Oh boy. Non, en français, c'est ça. Français, ah, ça, c'est... C'est Charmillon. En français, il y a... Voyons. Blanc de mémoire. Tortipousse. Non, Salamèche. Salamèche. Non, Bulbizar, c'est... Bulbizar, Salamèche. C'est Bulbasaur. Mais Salamèche, puis qu'est-ce qu'il y a là? Parce que la dernière, c'est Dracaufeu. Ouh. Charizard. Dracaufeu. Mais le milieu, je sais pas. Wow, tornade. C'est une petite tornade. Ce n'est moi, pas très efficace, mais ça fait... Un bon bœuf. Bon bœuf bourguignon. Allez, morsure. Allez. Un bon bœuf avec une mort subite. Tiens, oui. Hey boy, tiens, toi. Yeah! Hein, ça va le craquer un petit peu. Ouais, craquer le sphincter. Armulis. Il est menaçant. On change un petit peu. Oh non, ma Dr. Pepper est vide! Depuis 1885. Plop. Moi, ça, la Dr. Pepper, c'était une liqueur que quand j'étais jeune, mon père buvait tout le temps ça. Je le trouvais fucking dégueulasse. J'étais comme, man, c'est la pire liqueur au monde. Puis, look at me today. Today, you are drinking the pepper of the papa. Yeah. The papa pepper. Papa pepper. Quinte-toi, foirez ça, ce cocon-là. Sur la cabouche. Et foirez ça, ce cocon-là. Cocon, cocon. Ouh. Chouette! Yeah! Oh non. Non, pas beaucoup de niveau, il va évoluer lui. Ça me file le bourdon qu'on ignore. Ça me file le bourdon. Waouh! Oh toi! Oh toi là! Oh toi! Oh toi! Maudit niaiseux. Antipara. Perfection. Hein, c'est vrai, le sphincter, il est beau. T'as le sphincter paralysé. Mais c'est pas fait, on a pogné un antipara. Oh! Oui, what? Hein? Oh, c'est la vie avec nous autres à nous heal après les fêtes! Ben, amène le proche chez eux, juste traîne n'importe où. Parfait. Level 100, tout de suite. On vient de kidnapper une fille. Parfait. Une petite fille de 10 ans qui capture une... Oh! Double battle! Biu, 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 biu. Allez, mon pote. Chenille pote. J'aime ça, comme la fille a de l'air... Dresseur Sarah. Oui. Elle a de l'air beaucoup plus vieille que notre petite fille, mais t'sais, elle a peur d'aller dans le bois de sol. Chier, hein? Elle a besoin de l'aide, une petite fille. Ha! Nounoun. Toutoun. Toutoun, oui. Allez, mon sphincter, fais-toi oui. Aller. Intimidation. Puis là, pour faire exprès, il n'y aura pas de Fire Pokémon là-dedans, chemin. Dans le bois, j'imagine que non.
I mean, to be fair, dans Original, Pikachu était là-dedans, so... C'était pas une bug, ouais, c'était pas un bug Pokémon. Ouais, ben Pikachu, c'est un rat, tu sais, tu peux voir ça, des rats dans la forêt. Il était ben méchant. Il traite de rat, t'es. Il a volé mon bicycle. Ok! T'es un maudit rat. Christ de rat. Une rapace sale. La vitesse du sphincter. Blou, 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 blou. Il se contracte plus vite. Il est contractuel. Pourquoi tu me regardes de même? Parce que t'avais l'air de vouloir dire quelque chose puis tu l'as pas dit. Hein? Je sais pas. J'ai juste dit il est contractuel. Ah, je pensais que t'avais dit qu'il contracte le. Puis là, j'attendais. Ouais, oh, qu'est-ce que t'allais dire? Hey boy. Ouais. On est loin de la marque, hein? Ça a l'air ça. Je suis déçu. C'est mes oreilles de grand-père. Hein? Ouais, ouais, ouais. La démence. La démence. Allez, Armulis, je vais te mordre. Tiens-toi un bon bœuf. Le safe word est bon bœuf. Ah. Oh. Hey, dis-moi que t'aimes ça, allez. Hey, boys, ça va durer un bout. That's what she said. Ye Harden. Ouais, là, tu. Tu magasines-tu Harden? On a le même. On a la même brain. Ouais, la même humour de merde. Toilet humor. Mm. Le Vénard. Man, quel nom. Si quoi ça va prendre un bout de ça. On va être crève. On va être crève, s'il te plaît, crève. Ah! Yeah! Solo de cuisse. Ça peut-tu comme... Ce fight-là peut-tu être plus long? Toujours. Oh non. Imagine s'ils étaient tous les deux paralysés. Imagine. Le Vénard rate son attaque, il est pas si Vénard! Ah! Et voilà! C'est difficile ça, tuer des cocons. Hmm. La 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 la. Bon. Qu'attends ici? Yeah! Fuck off! C'est quasiment insultant, tu sais là. Oh! Oh! No! On ne saura jamais! Suspense! Oh, un T-Bunny! Ouais, mais c'est un normal Pokémon! Laporeil! Oh my freaking god! À cause qu'il y a des oreilles, t'as-tu catché? Toi, là! Ben, regarde! Tu vois pas ses oreilles? Des oreilles comme un lapin! Ça, tu vois ça? Ça, Laporeil, là, le nom vient de lapin. Pis oreille! Tu sais. Sais-tu comment ce qu'on appelle ça? Envoyez-moi de l'aide, s'il vous plaît. Ça s'appelle un porte-manteau. Tu savais pas ça, hein? Hein? Quand tu combines deux mots de même, si, ouais. Comme lapin pis oreille, c'est un porte-manteau. The more you know! Hey, hey, petit cours de français, ici. Ouais, 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 le petit rainbow pis tout, là. Avec l'étoile, là. Oui. On crève, on crève! Ah! Ça évolue en quoi, ça, un Armulis? Un Armulos. Google. Ah, t'es-tu sérieux? Je suis fucking sérieux. Un Armulis, là, ça évolue en ce que tu fais dans la toilette. Tu sais pas qu'est-ce que je fais dans la toilette? Tu fais des Armulis. Avec ton sphincter. Armulis... Évolution. Ah ben, il évolue en chamillon. Chamillon. Ah, l'espèce de papillon de marde de tout à l'heure. Oui. Yeah. Quelle déception. Oui. Ça t'apprendra. Jamais. La 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 la. La 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 la. Armulis, là, ça veut dire que c'est... Tabarnak de course. C'est un porte-manteau. Armure pis colis. Hey, va donc te coucher! Hey, t'es fier de toi, là.
J'ai jamais vu ça. Je pense que c'est la première fois que je sacre depuis qu'on a commencé. Parfait. Faites désolé pour les oreilles chastes. Je fais actually un effort de pas sacrer. Moi, je fais aucun effort du tout. Ouais. Ben, c'est que je sais que je sais que mon neveu écoute ça des fois. Qu'est-ce qu'il fait là-dessus, lui? Il est game. Il est game? Il est game. Ah ben, god damn. Cock. E-cock. E-cock. Ça, c'est pour Pornhub, ça. Oh oui. Il want some e-cock. Le nouveau search term du mois, là. Si bol. T'as-tu dormi hier soir? Je pense qu'il est brisé. Oh, shit. Je suis trop... Trop game. Trop de game à la fois. Oui, toutes les games. Oh, oh, oh. Pis ça, le venant. Non! Toi, si tu veux pas, je te rentre un porte-manteau dans ce sphincter, là. Tu es obligé de prendre un break. E-cock, once again. Oh, Jean. Jean. C'est donc bien difficile pour Cameron. tu gamerais tout ça là? Ouais, je prendrais bien un petit break. Respirer un petit peu. On va aller manger.